Ce film qui est trop long. Alors, j'ai jamais considéré qu'un film puisse être trop long. C'est vrai que des fois, bon, ça peut demander une certaine organisation pour s'installer et regarder un film de 3-4 heures. Mais moi qui suis par exemple passionné de Bollywood, bah, la majorité des films font entre 2h30 et 3h30. Donc la durée n'est pas vraiment quelque chose qui me dérange, moi, dans le cinéma. Un film peut faire 1h20 comme il peut faire 3h40. Si le réalisateur estime qu'il a besoin de 3h30 pour faire son film, et bah, qu'il le fasse. Je le regarderai quoi qu'il arrive. En film très long, notamment, je pense à An Elephant Sitting Still, dure presque 4 heures et qui est une vraie petite pépite. Pour moi, n'importe quel blockbuster américain aujourd'hui est beaucoup trop long. Je dirais Tenet parce que clairement j'avais eu un peu du mal à accrocher et je me rappelle l'avoir trouvé vraiment long, surtout sur la fin. Et de toute façon, je pense que de manière générale, dès qu'on n'accroche pas trop à un film, on le trouve tout de suite hyper long. Alors, je ne pourrais pas répondre à cette question, ça commence bien, parce que je considère la durée d'un film comme étant l'aspect important et fondamental dans l'intention première d'un cinéaste. Et remettre en cause cette durée, cela voudrait dire remettre en cause aussi le pourquoi du comment de la fabrication de ce film. Moi, j'aime bien être épuisé par un film, et donc je ne pourrais pas te dire si un film est trop long. Je le prends comme tel, et je te le dis vraiment sans démagogie. C'est quelque chose qui est très important pour moi. The Batman. Alors, film qui est trop long, il y en a deux pour deux raisons différentes. La première, c'est que c'est un film qui est très long, c'est Irishman qui fait 3 heures. Et pourquoi je le trouve trop long? Parce que Scorsese, j'ai beaucoup de mal avec ce réalisateur et je trouve qu'il ne raconte rien sur 3 heures. Et qu'au final, on arrive à la fin du film et on se dit, qu'est-ce que t'as voulu nous raconter, mec, sinon l'histoire de ce mec dont je me fous royalement, en fait. Et du coup, voilà. Le deuxième, Once, il me semble que c'est un film qui est sorti que sur Netflix, et c'est un film où il y a plein de bonnes idées, mais qui sont menées nulle part en fait. C'est comme si on avait 10 débuts de film, ultra intrigants, qu'on a envie de suivre et tout, et qui mènent nulle part. On a une histoire de Armie Hammer qui trompe sa copine, ah ça va mener quelque part, non ça mène nulle part. On a Armie Hammer et sa copine qui trouvent un téléphone qui appartenait à des jeunes et ils faisaient des trucs dégueulasses, à tuer des gens et tout. Mon Dieu, ça va aller quelque part, ça va être un truc policier et tout? Pas du tout, aucune suite. Et c'est que ça en fait. Leur maison, elle se fait bouffer par des espèces de petits monstres, etc. Ça va mener quelque part? C'est fantastique? Non, pas du tout. Et en fait, c'est ça pendant tout le film. Et à la fin du film, on se retrouve au bout d'1h20, donc c'est un film qui est assez court. Et ça a été chiant, mais à mort, quoi. Et le rythme est ultra lent. Donc ça fait que c'est intriguant, un rythme lent, comme Only God Forgives, par exemple, qui est un rythme qui est très très lent, mais du coup, on passe son temps à regarder l'image, à scruter les personnages et tout, et c'est vachement intéressant. Mais il faut que ça mène quelque part. Only God Forgives, c'est lent, chiant, mais j'adore. Mais ça mène quelque part. Wounds, ça mène nulle part. Et au final, ou alors c'est juste moi qui suis stupide qui n'ai pas compris le film. Mais en tout cas, j'ai pas envie de le regarder une seconde fois. Les deux tours, le retour du roi, le Hobbit. J'ai eu le courage de regarder le premier Seigneur des Anneaux, que j'ai trouvé déjà très long. J'aime bien l'univers, mais je trouve ça vraiment trop lent. Je trouve que ça étire trop. On sent qu'il veut absolument montrer l'univers. C'est le style de Peter Jackson d'en faire toujours trop, trop, trop. Alors quand on aime le style, ça plaît. Moi, ça me paraît très long, ce qui fait que les deux tours, j'ai pas réussi. Et le retour du roi, il me semble que je l'ai à peine commencé. Le Hobbit, j'ai voulu le regarder absolument, mais pareil, j'ai à peine réussi à aller jusqu'au bout. Et par contre, j'ai pas tenté le 2 ni le 3. En bref, voilà. Le Seigneur des Anneaux. Mon Dieu que c'est long cette trilogie. C'est vraiment excessivement long. C'est beaucoup trop long à mon goût, même, tu vois. Or aussi, on peut se le dire, quand tu suis un hobbit pendant 4 heures dans la forêt, c'est long, c'est long. La graine et le mulet de Kechiche. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il est trop long? Je ne sais pas, mais moi, je l'ai trouvé trop long parce qu'en fait, Kechiche, c'est quelqu'un qui bosse beaucoup sur l'usure du spectateur, l'usure de l'image, l'usure des personnages. Et donc, c'est vrai que moi, quand j'étais face à ça, je me suis dit, c'est long, c'est éprouvant et ça m'intéresse pas plus que ça. Je ne remets pas en cause le talent de Kechiche, hein. Clairement, il y a une cinématographie, il y a une vision. Mais je ne suis pas du tout amateur de ce genre de film, donc oui, La Graine et le Mulet, beaucoup trop long.
Ah ouais, d'accord. J'aurais peut-être dû aller à la question quand même avant, parce que sinon j'ai bloqué. Bah, la vérité, c'est qu'il y a beaucoup de films qui mériteraient des petits cuts, qui sont peut-être un petit peu trop longs par rapport à ce que ça raconte. Mais là, j'ai pas de titre qui me vient en tête. On va dire Autant d'emporte le vent. Il dure 4 heures. Je retirerai à peu près 4 heures. Je déteste ce film. Alors évidemment, quand j'ai posé la question du film que je trouve trop long, il y avait évidemment plusieurs interprétations possibles, c'est-à-dire le film qui est trop difficile à caser dans son horaire, le film qu'on trouve que, bah, qu'il dure trop longtemps tout simplement, qu'on n'aime pas les films de plus de telle heure, ou simplement les films qui commencent bien et qui au bout d'un moment bah, perdent un peu de leur efficacité. Si vous suivez la chaîne, vous savez que moi, personnellement, j'ai un peu de la peine parfois avec le cinéma actuel, que je trouve parfois un peu de la peine à condenser certaines idées. C'est pas que j'aime pas, mais parfois un peu plus de condensation des idées, ce serait bien. Mais pour le coup, je vais vous citer un film de Terrence Malick. C'est Tree of Life. J'ai vu le film au cinéma, j'ai adoré le visuel. Je trouvais ça magnifique, c'était hyper prenant. D'ailleurs, le film est, il est fou à ce niveau-là. J'ai été intrigué par le début de l'histoire, même par l'histoire en règle générale. J'adore quand on parle dans le cosmos, quand on parle dans le lointain passé avec les dinosaures. Je sais que beaucoup se moquaient des films. Moi, j'adore ça, l'infini dans tous les sens, le temps, l'espace, tout ça. Moi, j'adore, ça fait très 2001, l'Odyssée de l'espace, comme on l'avait dit à l'époque. Mais voilà, au bout d'un moment, le film, j'en pouvais plus. Hein. Au début, j'étais « waouh », puis peu à peu. Et au bout d'un moment, j'étais « oh là là, qu'est-ce que c'est long ! Oh mon Dieu, est-ce que c'est long ! C'est quand que ça s'arrête ? C'est quand que ça s'arrête ?» Et c'est marrant parce que des amis à moi avaient eu la même sensation. Et du coup, entre nous, pour rigoler, on le surnomme « Tree of Death ». Voilà. Un film qui est trop long comme ça, sans réfléchir. La première idée qui me vient en tête, c'est le Titanic de James Cameron. Le film, je le trouve beaucoup trop long. Alors, je sais que je vais... Alors, je pense qu'avec cette FAQ, je ne vais pas me faire que des amis. Mais parce que, oui, parce que ce sont mes choix et je les assume. Pour moi, Titanic, c'est typiquement le genre de film que je trouve trop long. Film où on sait de toute façon ce qui se passe à la fin. On sait que le film va couler. Et j'ai l'impression quand même que ce film tire un petit peu en longueur. Alors je sais que le film est magnifique, le film est très très bien réalisé, il n'y a pas de problème, c'est très bien joué, c'est beau tout ça, oui. Mais moi personnellement, je trouve ce film trop long et à la fin j'en peux plus. À la fin j'en peux plus, j'arrive pas, j'aurais besoin que ça accélère sur certains points et qu'il y a des fois ça dure des heures, voilà, l'histoire traîne en longueur pour pas grand chose. Donc voilà, j'ai un petit peu la sensation que ce film... est trop long pour pas grand chose. C'est pas facile de trouver un film qui est trop long, ça dépend évidemment de la perception de ce qu'on en fait. Si on trouve que le film est nul, bah forcément il va être très long, et si on trouve que le film est génial, forcément il va être très court. Donc normalement ça dépend un peu de mon humeur et ça dépend un peu aussi de ce que je suis en train de regarder, mais quand je réfléchis, même si j'ai adoré le film, je trouve un chouïa que la Snyder Cut, qui dure 4 heures, est un petit peu long. C'est un film qui vaut le coup, qui est très intéressant, qui veut dévoiler énormément de choses, et il fallait dévoiler énormément de choses parce qu'il fallait remplacer la Justice League par Joss Whedon sorti en 2016. Mais voilà, je trouve que le film pourrait avoir 20 voire 30 minutes de film en moins. Ça ne changerait pas grand-chose à l'histoire. Ce sont surtout des grands plans, des plans au ralenti qui vont vraiment ralentir d'une certaine façon, encore une fois, un peu le rythme. Et moi, 4 heures entières comme ça, face à mon écran, comme ça, chez moi, sur mon canapé, c'est un peu compliqué. Au cinéma, c'est parfait parce que l'ambiance est là. Hein, toute la salle est préparée pour voir un film de 4 heures. J'ai déjà vu Le Seigneur des Anneaux version longue au cinéma et c'est pas un problème. Mais voilà, chez moi, sur mon canapé, avec toutes les distractions, le téléphone, les trucs qui peuvent arriver, les enfants, la famille, etc., c'est un peu compliqué. Donc voilà, j'ai vraiment juste pour choisir, je dirais la Snyder Cut, mais ça reste forcément un bon film. Et je ne dénigre absolument pas les gens qui aiment la Snyder Cut, ça reste juste pour moi un film un peu trop long.